excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. A tout de suite, prenons le sommaire. Par le ministère de la Santé publique, le gouvernement congolais a annoncé la troisième vague de la pandémie du coronavirus avec un focus sur Kinshasa comme épicentre. L'observance des gestes barrières reste de mise. S'adressant à la population congolaise, le jeudi 3 juin 2021, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé la troisième vague du coronavirus avec comme épicentre la ville de Kinshasa. Jean-Jacques Mbungani demande à la population de respecter les gestes barrières. Suivez un extrait de l'allocution du ministre. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la Covid-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques, du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger la population et notre économie. Je vous invite à y adhérer massivement. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous renseigne que notre peuple possède une réelle capacité de dépassement et de résistance face aux situations difficiles. C'est l'occasion pour moi de faire appel à votre sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout à votre engagement afin d'observer les recommandations des autorités politiques et sanitaires. Décédé le lundi 31 mai à Kinshasa des suites d'une maladie, Kitenge Yezu, haut représentant du chef de l'État, a été inhumé le jeudi 3 juin à Nécropole. Bien avant, le pays lui a rendu hommage au funérarium de l'hôpital du Cinquantenaire en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo vient de perdre un de ses dignes fils, le patriarche Yezu Kitenge, décédé le lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, à l'âge de 76 ans, des suites d'une courte maladie. À 10h15, l'éveil du corps et son exposition dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire. Une présence très remarquée parmi l'assistance, les présidents de deux chambres du Parlement, Simon Bosso et Modeste Bahati, le Premier ministre Sama Lukonde et les membres de son gouvernement, des hauts cadres de l'UDPS et alliés et plusieurs autres personnalités qui ont tour à tour déposé des gerbes de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Yezu Kitenge avait été élevé au rang des hauts représentants et envoyé spécial du chef de l'État au terme d'une ordonnance présidentielle. En compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre personnellement le dernier hommage à l'un de ses proches collaborateurs au lieu des obsèques avant son inhumation. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du patriarche Yezu Kitenge où il a déposé une couronne de fleurs avant de saluer les enfants, fils et petits-fils du défunt. Le couple présidentiel a été ensuite installé parmi l'assistance
pour la suite de la cérémonie funéraire marquée par plusieurs allocutions de circonstances. Intervenant au nom de l'équipe forte, cellule de réflexion, d'analyse qu'a dirigé le patriarche Yezu Kitenge, François Mwamba Tshishimbi a vivement salué les qualités de père, de modèle d'engagement, de loyauté et de persévérance de l'illustre disparu. Il a assuré la poursuite sur ses empreintes de l'œuvre de soutien à l'action du chef de l'État. Le sénateur Tshimbombo Mukuna a abondé dans le même sens. Il a rendu un hommage au chef de l'État pour les charges et fonctions confiées au représentant et envoyé spécial Yezu Kitenge, des fonctions que ce dernier a mises à contribution dans la recherche de la stabilité en trouvant des solutions au bénéfice du pays. Esprit infatigable, une force morale, loyale, il a concouru à la mise en œuvre de l'union sacrée de la nation, a renchéri l'orateur. Représentant de la famille politique du défunt, parti allié à l'UDPS, l'honorable Laurent Batumona a promis de ne pas se départir des tweets philosophiques, des conseils sages du haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. Cette intelligence que les enfants du défunt garderont en mémoire. Enfin, dans son oraison funèbre, le conseiller principal du chef de l'État, Théo Tshilumba, a rendu hommage à un baobab qui vient de s'écouler, une icône politique qui a combattu pour le changement aux côtés du patriarche Étienne Tshisekedi wa Mulumba et du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre les antivaleurs. C'est par une prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu que s'est clôturée la cérémonie funéraire. Le couple présidentiel s'est entretenu avec la famille biologique du patriarche Yezu Kitenge. Il s'est recueilli devant sa dépouille avant de quitter les installations de l'hôpital du cinquantenaire. L'état de siège décrété par les présidents de la République pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a été prorogé pour une période de 15 jours à compter du 6 juin prochain. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 3 juin 2021 au Palais du Peuple ont répondu favorablement à la demande des prorogations formulées par les chefs de l'État. Appelez donc Gassami pour le reportage. La prorogation de l'état de siège proclamé le 3 mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu prend cours le 6 juin 2021. Les députés nationaux l'ont autorisé au terme de la plénière jeudi 3 juin, dirigée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Soumise à la plénière en procédure d'urgence, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national constituait une nouvelle matière qu'il fallait inscrire au calendrier des travaux de la session et à l'ordre du jour de la plénière, dérogeant à l'article 147, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avant de procéder à son vote, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre en charge de la Justice, a présenté l'économie du projet de la dite loi, rappelant la prise des deux ordonnances relatives à l'état de siège par le président de la République et leurs contours. L'espoir qui était perceptible commence à s'envoler. Les résultats annoncés par la ministre ne sont pas suffisants. Ce qu'on n'a pas réalisé en 30 jours, peut-on le réaliser en 15 jours? Se sont par ailleurs interrogés ces élus nationaux. Avant de faire observer que les rebelles sont dissimulés parmi la population, ils mangent avec elles avant de commettre des exactions dans la nuit. Nous avons dit qu'il n'est pas indiqué qu'on ouvre les débats pour évaluer la situation parce que nous sommes encore pendant la période des opérations. Il faut qu'on aille tout droit au but pour voter la prorogation de l'état de siège pour donner encore la chance ou donner encore la possibilité à nos forces sur le terrain de faire mieux. On pourra peut-être organiser un autre débat à huis clos pour essayer de discuter autour de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Les élus nationaux du Nord Kivu ont pour leur part proposé la nomination des personnalités militaires jusqu'aux entités territoriales décentralisées. Il faut militariser le secteur pour que la population sente qu'il y a réellement état de siège, a suggéré le député Lusenge. La bipolarisation continue à affaiblir la Fédération de l'UDPS et Équateur face à cette situation. Un membre du comité fédéral qui est majoritaire et conduit par le président Yves Ballot, maître
Marval Lotchekelami a fait une déclaration à ce sujet. Notre correspondant sur place, José Mazao Sukuma, nous propose ceci. Le cadre de l'IDPS Fédération de l'Équateur 1, conduite par Yves Ballo, maître Marval Lotchekelami, a fait une déclaration sur la crise qui sévit au sein de l'IDPS Équateur 1, entretenue par un certain moi d'abord au lieu de peuple d'abord. Selon lui, si l'IDPS ne marchait pas à l'Équateur, la cause revient aux politiciens assoiffés de pouvoir et qui a pris ce parti en otage. Son comité fédéral est composé essentiellement de membres de sa famille. L'intégralité de son message, Maître Marval. En bref, ils nous ont encouragés, ils ont déploré que la communication qui est faite à Kinshasa à notre propos est tout contraire de tout ce qu'ils viennent de constater sur place ici sur le terrain. Et ils nous ont souhaité de bien continuer notre travail car le chef de l'État comme rassembleur, ne peut refuser aucun de ses fils. Et ils se sont rendus compte à l'évidence que nous sommes sérieux, nous sommes hommes de principe. Et ils nous ont prodigué seulement de ne pas créer des troubles. Et nous lui avons rassuré que depuis le mois d'octobre, que nous sommes pris en charge pour que la situation puisse changer, l'UDPS puisse changer à Mbandaka. Si pas à l'Équateur, c'est nous qui avons pris la sagesse de pouvoir esquiver les cas qui nous a cherchés à des troubles. Alors, c'était ça l'essentiel du premier point. Et il y a l'élément que nous avons fait avec d'autres recommandations. Et je crois que la solution définitive vient bientôt. Et à très bientôt, il y aura une solution définitive pour ce qui concerne la crise. Parlons justice à présent, le procès dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et la partie civile Louis Ndoula contre les commissaires divisionnaires adjoints Palanga Nawej Elvis, prévenu d'homicide involontaire. L'instruction se poursuit à la haute cour militaire. L'audience du jeudi 3 juin 2021, quatrième du genre, a été consacré au développement des mémoires uniques de parti. Reportage Sylvain Kapombo-Bosengele. Tel que promis à l'audience précédente, la haute cour militaire a tenu le jeudi 3 juin 2021 sa quatrième audience dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, accusé d'homicide involontaire. La dite audience a été consacrée à la poursuite des développements des mémoires uniques des partis au procès. Première à prendre la parole, la partie prévenue a demandé à la haute cour militaire d'ordonner la nullité de la procédure antérieure, car, a-t-elle soutenu, les irrégularités ont été commises par l'organe accusateur. Ici, l'accusation a failli à respecter les prescrits de l'article 17 de la Constitution et 163. Et il vous revient, vous juge, en vertu des prérogatives exorbitantes, vous reconnues par la loi, de sanctionner les irrégularités commises lors de l'instruction préparatoire. Développant à son tour ses moyens, la partie civile Louis Ndoula a soutenu que, lors de l'exercice organisé à Kasangoulou le 16 février 2019, dans le cadre de la formation des policiers, son client avait été atteint au niveau du thorax par une balle réelle. Elle a donc sollicité de la haute juridiction militaire la réqualification des faits. Vous allez retenir l'infraction des maîtres en lieu et place de l'homicide involontaire. L'organe poursuivant a quant à lui sollicité et obtenu de la haute juridiction militaire une remise à la huitaine en vue de répliquer à tous ses moyens développés. La prochaine audience est donc fixée à jeudi 10 juin 2021. Le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, a installé officiellement à Bandundu le comité multisectoriel pour la planification familiale. Un comité qui s'assigne une mission spécifique de booster les activités de la planification familiale au Kwilu dans le cadre du projet PROMIS mis en œuvre par MSI, entendez,
Mary Stops International, financé par le Fonared. Reportage de notre correspondant sur place, Rolly Moukiaka. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promise Okwilu, un projet qui vise la promotion de la planification familiale, un comité multisectoriel est mis sur pied à Bandundu avec mission de booster les activités de la planification familiale en province. C'est le vice-gouverneur des provinces, Félicien Kiwaïmouadi, qui a procédé à l'installation de ces comités en présence des cadres du système de santé. Il a bien avant cette étape rassuré l'accompagnement du gouvernement provincial aux activités de ces comités et de mettre un vœu de voir d'autres partenaires s'impliquer aussi dans la réussite de cet objectif. Enfin, j'exhorte et j'encourage les animateurs du secteur de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de la DPS Kwilu à la mise en œuvre effective des recommandations qui vont découler dans cet atelier. C'est sur cette exhortation que je déclare lancer les travaux de l'installation du comité technique multisectoriel, de la planification familiale ainsi que de la présentation du projet promis dans notre province pour renforcer l'offre des soins de la planification familiale et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Occasion pour Ali Cher, représentant des Mary Stops International, chargé de mise en œuvre du projet Promise, de faire un bref aperçu sur ce projet qui, d'après lui, va résoudre certains problèmes sociaux au Kwilu. Ensuite, le procès verbal d'installation de ce comité a été soumis à l'autorité pour signature, signe de son approbation. Retenu en dernier lieu, ce projet Promise cible dans son exécution toutes les zones de santé de la province du Kwilu. Bon nombre d'agents de l'État dont les prestataires de santé ne sont pas payés, et ceux qui sont payés ont un salaire des misères. Nous sommes là à l'Équateur, constat fait par le président de la notabilité de la ville de Mbandaka, Constant Mugbema Mobuka. Le commentaire est de notre correspondant sur place, José Mazao Sukuma. Le président de la notabilité de la ville de Mbandaka, Constant Mugbema Mobuka, a fait un plaidoyer en faveur des agents de l'État, dont les infirmiers matriculés depuis les séries 500, 600, 700, voire 800, et qui travaillent mais ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui. Même ceux qui sont payés ont un salaire dérisoire. Au gouvernement, Samalou Kondé, de jeter un coup d'œil sur ce problème. Constant Mugbema Mobuka a également parlé des autres questions de l'heure. Fonction publique, et c'est concerné l'enseignement et le service de la santé publique. C'est-à-dire, le seul point, c'est le paiement. Le paiement de tout le monde, comme ça a été dans le passé, tout le monde a payé les mêmes jours. Mais vous voyez, maintenant, pour payer la fonction publique, tantôt à TNB, tantôt à notre banque, tantôt à Soficom, on paye les gens toujours en retard. Il y a d'autres, depuis le mois d'avril, il y a les autres n'ont pas connu de l'argent. Les derniers temps ici, ils ont réussi le 28, le service de la santé, à Soficom et à TNB. Tandis que dans l'État, on payait tout le monde ensemble, là, ça fonctionnait bien. Ça, c'est un. Le deux, nous demandons aux autorités nationales, donc disons, l'autorité nationale, le premier ministre et les chefs de l'État, avec les ministres de la fonction publique et les budgets et la finance, qu'on paye les gens, les paiements, l'argent est très faible, donc le salaire est très, très faible. On paye quelqu'un 100 000 francs donc, pour tout un mois. De retour dans la capitale où les conducteurs des véhicules dénoncent les tracasseries routière souvent occasionnée par certains agents de l'État venus de nombreux services incontrôlés. Notre équipe de reportage a mis en lumière cette série de tracasseries vécues sur la route avec Africa Mujinga et Bandi Toumba. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On va prendre la rubrique actualité vue par les autres aujourd'hui. Esther Badibiabia et Patti Mbouzi ont tendu le micro à Ben Louboua, journaliste au Nouveau Congo TV. C'est lui ici, actualité
reste dominé par l'enterrement de Kitenge Yesu au représentant du chef de l'État. Le débat sur la congolité avec la loi, la proposition de loi de Noël Tiani, c'est une actualité qui fait polémique. Une loi revêt un caractère impersonnel. Si cette loi-là est adoptée, c'est à ce moment-là que nous pouvons parler de loi. Ici, c'est une éventualité. C'est une possibilité. Noël Tiani a fait une proposition qui doit être adoptée ou pas par les représentants du peuple. L'autre point qui retient l'attention, c'est l'examen de la loi sur les réformes de la Commission électorale nationale indépendante, mais également les réformes de la loi électorale. Certains, il y en a qui pensent que non, on a politisé cette loi. Pourquoi ? Parce que c'est l'avis d'ailleurs de la coalition Lamuka, El Fayoulou et Mozito, qui pensent que non, le président de la République et Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, ont vidé la substance. Ils veulent politiser cette loi afin de garder la mainmise sur cet organe d'appui à la démocratie. Autant pour moi, il s'agissait plutôt de Félix Ilunga, secrétaire de rédaction à Numérica Télévision. On va ouvrir la page des sports pour vous signaler que dans son cabinet de travail, le ministre des Sports et Loisirs, Chembo Okunde, a reçu plusieurs députés pour examiner l'état des infrastructures à travers les pays. Je veux ce reportage de Papi Katasi. Jeune fédération en RDC depuis 2018, la fédération congolaise de Sumo, conduite par la députée nationale Wivine Moleka, a évoqué avec Serge Chembonkonde sa politique d'expansion à travers les territoires nationaux. Parler de nos problèmes, de nos difficultés, et en tant que jeune fédération, et il a été vraiment réceptif, il nous a parlé, il nous a même donné des conseils pour que nous puissions émerger. Vivier sportif de la RDC, la province du Haut-Katanga, un problème criant d'infrastructures sportives. Émile Mwamba et Papi Séoul, deux élus nationaux, l'ont fait savoir au patron du sport. Le ministre nous a promis qu'il va examiner davantage la situation de l'état des infrastructures et que dans le tout prochain jour, il fera de tout son mieux pour que nous puissions avoir des infrastructures qui répondent aux normes internationales. L'évolution du stade de Kalima Pangi dans les Maniema préoccupe au plus haut point Njolo Kontamboué, l'élu du coin. Nous avons eu la chance de visiter ce stade. Les sites sont là, mais il n'y a que besoin d'aménagement. Fofo Kondji, député national, est venu personnellement féliciter et encourager le ministre des Sports et Loisirs, Serge Chembokonde, dans ses nouvelles fonctions. Daouda Loupemba, le coach adjoint de Léopard Football, et l'attaquant Cédric Bakambu étaient en conférence de presse d'avant-match vendredi 4 juin 2021. Ils ont abordé les enjeux du match amical de ce samedi 5 juin 2021 contre les Aigles du Carthage. Papi Katasi, Irigomoulopo. Décor planté pour cette retrouvaille en amical international ce samedi 5 juin 2021 au complexe sportif Brades Amadi Agredi dans la banlieue sud-est de Tunis entre les Aigles du Carthage du coach Mondeir Kabaer et le léopard de l'Argentin Raoul Hector Kiper. Véritable test de grandeur nature pour bien ajuster les débuts des éliminatoires Qatar 2022. Bien avant cette joute, les deux formations étaient en conférence d'avant-match. Daouda Loupemba, devant la presse, a expliqué la nouvelle philosophie des RDC axée sur un effectif qui a déjà existé. L'équité, c'est le même partout. La sélection est faite pour les meilleurs joueurs du moment. Mais après, comme je l'ai dit au début, c'est un nouveau staff technique qui est venu. Ce nouveau staff technique ne peut pas commencer dans des vies. On commence toujours par quelque part. On ne fait pas table rase. On commence par la dernière sélection qui nous a représentée. De telle sorte que le sélectionneur puisse connaître les joueurs et voir qu'est-ce qu'il peut donner et essayer petit à petit par rapport à ce que lui sait, amener un, deux ou trois éléments qui peuvent manquer par rapport à sa philosophie. Pour sa part, le striker number one de la RDC, le sociétaire de Beijing One en Chine, Cédric Bakambu, a expliqué que les résultats du match portent peu
Mais l'essentiel, c'est l'état d'esprit que va dégager la team 243 Moulungé. Si c'est pour gagner, gagner pour gagner entre guillemets, mais voilà, sur un coup de chance ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Franchement, de temps en temps, ça ne m'intéresse pas. Parce que demain, c'est un match amical, tu vois. Et moi, le plus important, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on va afficher, tu vois. Et parce que là, il y a une campagne de la Coupe du Monde qui se prépare. Il faut poser des bases solides. C'est pas on gagne un match, mais c'est fébrile, tu vois ce que je veux dire. Donc là, le plus important demain, ça va être de poser des bases solides. Côté tunisien, on évoque l'arrivée d'un tout nouveau. Il s'agit d'Hannibal Mesri de Manchester United en Premier League anglaise, élu meilleur joueur mancunien de la saison. L'effectif des Aigles du Carthage dispose aussi des anciens tels Kazri, Msakni, Sassi, Maloul et Ben Mustapha. Tunisie RDC de ce samedi se jouera à 20h30 heure de Kinshasa. Sport encore, la Fédération congolaise de sous-motori et des disciplines associées organise une session de formation de 2 jours, soit du 4 au 5 juin 2021 à l'école militaire du camp Kokolo à Kinshasa. Les détails dans ce reportage d'Ndaï Lambouchi. Le général Franck Molucho, président de la Fédération congolaise de sumo et d'autres disciplines associées, a conscientisé les athlètes avant le démarrage du stage de renforcement des capacités des techniques des sports de combat. Les séminaires étaient basés sur la théorie dans l'avant-midi. L'après-midi était marqué par la pratique dans la salle des sports de l'école militaire du camp Kokolo. Cette session de formation est animée par Denis Mbouli et Bakatuleza Monama, respectivement de la direction technique nationale et entraîneur national de cette discipline japonaise. Le général Franck Molucho a encouragé et invité les 20 séminaristes à être assidus durant toute la durée de cette session de formation en ajoutant qu'ils seront demain les ambassadeurs de la fédération partout où le devoir va les appeler. La première des choses à faire, c'est tout d'abord, n'est-ce pas, remettre à niveau et les formateurs et les athlètes, n'est-ce pas, pour que nous puissions parler le même langage, pour que nous puissions appliquer les mêmes règlements. Je leur dis tout simplement que le mot sumo ne les effraie pas. C'est une discipline bien réglementée qui s'apparente, n'est-ce pas, à notre lutte traditionnelle, mais qui a ses règles. Qui a ses règles et qui veut que les jeunes puissent s'épanouir. C'est une discipline non seulement de grandes valeurs morales, mais également une discipline internationale, internationalement reconnue et qui fait partie, n'est-ce pas, de Jeux Olympiques. Les colonels Foul, Chaco, Bossale Oliveira, responsable des écoles militaires du camp Kokolo, et les membres du comité fédéral ont assisté à quelques combats de sumo. Alors, à présent, faire la lecture des parutions d'aujourd'hui dans cette revue de presse qui porte la signature de Paul Dongasien. La grande nouvelle, relayée par les journaux dans leur livraison de ce vendredi 4 juin 2021, c'est la survenue de la troisième vague du coronavirus. À travers des titres identiques, Forum des As et l'avenir l'annonce à la suite du message du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention des Catastrophes, Jean-Jacques Mbongani, sur la radio-télévision nationale. Ce dernier rapporte au Forum des As a fait savoir en effet que la situation actuelle de la pandémie Covid-19 est très préoccupante au regard de l'augmentation des cas et des décès au cours des 4 dernières semaines. Kinshasa, considéré comme épicentre à cause de l'augmentation exponentielle de la circulation du virus SARS-CoV-2, a franchi le cap de 22 000 cas confirmés, indique le quotidien, évoquant le dernier bulletin hebdomadaire sur la situation sanitaire du bureau local de l'Organisation mondiale de la santé. Ce pic constitue la troisième vague pour la RDC. Estime le professeur Jean-Marie Kayembe, chargé de la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 en RDC. Dans le contexte de la circulation à Kinshasa du préoccupant variant B1617.2, écrit l'Avenir, il est fortement recommandé que chacun maintienne un niveau élevé d'adhésion aux mesures individuelles de prévention, de dépistage ainsi que de renforcement des traçages des contacts. Car, selon le ministre de la Santé, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Il s'agit du relâchement de l'observance des mesures barrières, l'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau des frontières et la faible couverture vaccinale contre la Covid-19.
La prospérité revient sur la disparition du haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yesu, dont la mise en terre est intervenue hier à la nécropole entre terre et ciel. Le quotidien le présente comme un modèle d'engagement au service de la nation, un homme qui a eu un parcours inoubliable sur lequel il s'étend. Père, modèle et compagnon pour François Mwamba, vaillant et stratège extraordinaire pour Laurent Batumona, il a côtoyé des grands hommes politiques de l'histoire, au nombre desquels ce dernier cite Che Guevara, Fidel Castro et Mao Tse-tung. Décédé à l'âge de 76 ans, Kitenge Yesu a débuté la politique à 17 ans, précise la prospérité. Econews s'est intéressé à l'adhésion de Moïse Katumbi à l'Union sacrée de la nation, qu'il considère comme la grave erreur commise par l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Le tri hebdomadaire considère que le leader de Ensemble pour la République devra porter le poids de son appartenance à l'Union sacrée de la nation, ce qui ne joue pas en sa faveur en tant que personne ambitionnant le fauteuil présidentiel en 2023. Obligé pour l'instant de faire profil bas devant le président de la République, autorité morale de l'Union sacrée de la nation, écrit le journal, Katumbi n'a pas mesuré à sa juste valeur sa décision d'y adhérer. Il devra tôt ou tard faire le choix entre son appartenance à l'Union sacrée de la nation et ses visées présidentielles. Enfin, Africa News annonce le retrait de l'intérim au directeur général ad intérim de la RVA, Pambu Pambu. Le conseil d'administration l'a décidé unanimement et son président en a fait part à la ministre du portefeuille sollicitant son remplacement. Le motif de la prise de cette décision est donné par le journal. Les manquements graves dans l'exercice de ses fonctions, mieux, la gestion déplorable de la régie des voies aériennes. Bonsoir. C'est par ici que prend fin ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. Par le ministère de la Santé publique, le gouvernement congolais a annoncé la troisième vague de la pandémie du coronavirus avec un focus sur Kinshasa comme épicentre. L'observance des gestes barrières reste de mise. Honoré Kizami qui était chef d'édition et au mien propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique. Attention, excellent début de week-end à toutes et à tous.